J'ai fait double champion de France de cross court, champion de France de 3000 mètres en salle, vice-champion de France de 1500 mètres en salle et quatrième des derniers championnats d'Europe à Glasgow sur le 3000 mètres en salle toujours. On l'a choisi lui parce qu'il a des valeurs qui correspondent aux valeurs du Crédit Agricole. Son sport aussi est un sport qui mérite d'être plus connu, d'être plus pratiqué et d'inciter les personnes aussi à pratiquer un sport comme celui-là parce que c'est bon pour leur santé. Ambassadeur pour moi, c'est tout un projet. Déjà, pour ma carrière, ça va me changer un petit peu en tant que... afin de préparer au mieux les échéances. Il y a beaucoup d'échéances à venir. Donc, il y a les championnats du monde de Doha, il y a les championnats d'Europe de Paris, il y a les Jeux de Tokyo et il y a les Jeux de Paris 2024. Donc, c'est tout un projet, que ce soit sportif et humanitaire. Parce que bon, quand on va au Kenya, on fait aussi de l'humanitaire. Hein, je suis heureux de pouvoir décrocher ce sponsor et j'espère que ça va continuer dans les années à venir. Nous, on aime bien les gens qui sont ambitieux au Crédit Agricole et on aime bien les gens aussi qui ont des valeurs comme l'humilité, comme le dépassement de soi, comme l'endurance. Et on voit que Djilali, avec ce qu'il est, ce qu'il porte, colle bien avec les valeurs que l'on souhaite défendre dans une démarche comme le sport. Le Crédit Agricole, c'est encore une chose en plus et ça va m'aider encore dans ma préparation et être serein et pourquoi pas préparer ma reconversion parce que l'athlète, ça ne dure qu'un temps et il faut penser à demain.